Damir Amroussi, je suis conseiller commercial chez Narp Automobile et spécialiste produit. Donc, durant la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à la closerie le 31, donc on vous a présenté deux différents modèles. Le nouveau SUV de la gamme, le dernier né de la famille, l'Audi Q2. Et d'un autre côté, un modèle complètement différent, l'Audi A5 sous sa version coupée. Donc, l'Audi Q2, c'est que c'est un modèle qui est difficile à classer. C'est un SUV, certes, d'où le nom, Q2, mais c'est un SUV qui peut aussi s'intégrer au niveau du segment urbain, du segment coupé. Donc, l'aspect du design interne, il est assez original et qui n'a pas été fait auparavant. Donc, c'est un aspect totalement nouveau par rapport à la gamme SUV Audi. Par contre, il y a un certain aspect dans l'ADN Dima Mojout. Mais tout en étant et en adoptant un style moderne et un look beaucoup plus sportif. Donc, le Q2, donc, le racé interne, c'est que c'est un modèle urbain, donc qui sera forcément bien demandé sur le marché tunisien, d'où on voit l'engouement pour les segments des SUV ou les SUV SRA spécifiquement. Il sera proposé en boîte automatique seulement, étant donné que Twin Cities va aller au Barça la boîte automatique à cause de la circulation, surtout Flasma. D'un autre côté, l'Audi A5 coupé, donc pour les adeptes des voitures sportives, ils seront servis. Donc il sera proposé avec une motorisation de 2 litres 190 chevaux, un couple quand même assez puissant de 320 Nm et en boîte automatique bien sûr, mais qui sera aussi commandable en 2 litres 252 et avec la transmission quattro pour les gens qui souhaitent avoir plus de stabilité et de dynamisme sur la voiture. Les prix. Les prix, l'Audi Q2, donc il sera à partir de 86 000 en TTC. Il y aura deux versions, donc version sport et version design. La version sport sera à partir de 91. Le A5 coupé, donc comme le modèle qui est exposé, elle sera à partir de 192 500. Merci. Merci beaucoup.